L'ange numéro 34, Léaïa. Il régit du 8 au 12 septembre. Il est l'ange de l'obéissance à ce qui est juste et de la discipline. Il facilite la soumission aux lois du destin et l'acceptation de notre plan de vie sans se rebeller. Il permet la transcendance des problèmes en lien avec l'autorité, la hiérarchie, les colères dangereuses et l'incompréhension. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Obéissance. Fidèle serviteur. Confiance et faveur des supérieurs. Discipline, sens de l'ordre. Loyauté, dévouement, action altruiste. Soumis aux lois divines et à l'autorité qui les représente. Consacre sa vie au service d'un ordre établi. Par exemple, chef de gouvernement, ministre, président, directeur. Intelligence, paix, harmonie, est à l'aise même dans l'ambiguïté. Obéissance, sans forcément comprendre. Compréhension de la justice divine. Incorruptible, intègre, responsable. Accepte la rigueur de sa destinée sans protester. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Désobéissance. Problème avec l'autorité. Manque d'autorité, incompréhension. Complexe d'infériorité et de supériorité. Personne déloyale, non fiable, en qui on ne peut pas avoir confiance. Loi injuste, autoritarisme, dictature. Esprit compétitif, opposition, contredit pour avoir raison. Rigidité, frustration, conflit avec ses supérieurs. Colère dangereuse, traîtrise, déclenche la ruine, la destruction. Discorde, rébellion, violence, guerre. Nature émotive. Tendance à se révolter contre les lois. Rejet,
impulsivité, absence de réceptivité, rigidité. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Délinquance, obéissance, douce pensée angélique.